Bien, salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 ou 6 de notre Let's Play sur Mario 64. Je tiens à m'excuser du peu d'épisodes que j'ai sortis ces derniers temps. C'est tout simplement, comme vous le savez tous, en France, dans le sud plus particulièrement, il fait très très chaud. Ouais, c'est Nice l'endroit qui fait le plus chaud, j'habite à 3 heures, à 2h30, 3 heures de Nice. Pour certaines personnes, la chaleur me fatigue beaucoup. Donc, à chaque fois que je me dis ouais, je vais tourner une vidéo et puis je m'allonge, je regarde 2-3 vidéos avant d'attaquer ma vidéo et puis au fur et à mesure je commence à m'endormir. Et là, je profite que mes parents soient partis, qui fait chaud quand même, mais bon. Oh, j'ai réussi! Oh, PGM. Je tiens à savoir si vous êtes content, si vous pouvez me répondre dans les commentaires, si vous êtes content de la reprise de Ocarina of Time. Comme je vous dis, je vais pouvoir tourner plus souvent, mais en ce moment, je pense pas en fait. Aïe, Anguille, casse-toi. Je vous explique pourquoi je pense pas en fait, parce que il fait très chaud. Et encore ce problème de chaleur, il fait énormément chaud. Et c'est, enfin, je sais pas pour ceux qui s'imaginent, enfin, il fait très chaud partout en France, mais genre, c'est incroyable. C'est, wow. Je crois qu'on a battu le record de l'année la plus chaude en France. On rentre là dans le trou. Hop. Donc en fait le but c'était de passer devant l'anguille et la faire fuir pour qu'elle nous laisse passer. Alors, quel est le code? Ouch. Ok. Vous voyez le gars qui va mourir? Oh non, je vais mourir. Non, arrive dans l'eau avant que le drame se passe. Oh, je suis mort. C'est la première fois depuis 4-5 ans, je dirais, que je joue au jeu, que je suis mort noyé. Mais bon, ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas eu de game over. J'espère que pour le let's play, j'en aurai pas. Ah là là, dites-moi si vous aussi vous avez très chaud, parce que le cas, il fait énormément chaud. Je sais que je vais parler beaucoup de chaleur aujourd'hui. Quand je reprends, c'est la phrase que j'ai dit, c'est un petit peu bizarre. Enfin bref, j'ai rencontré un youtubeur qui monte en abonnés depuis peu de temps. Ils disent souvent ça dans ses vidéos. C'est Stylers, un youtubeur québécois, et j'aime bien ce qu'il fait. Franchement, je surkiffe. C'est, je veux dire, pour un youtubeur, il se casse vraiment pas la tête, il voit la vie très cool, il dit pas trop de merde ou quoi. Et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est sérieux tout en s'amusant, il est un petit gamin. Et ça, c'est le genre de vidéo que je devrais plus souvent retrouver sur YouTube. Enfin, c'est le genre de vidéo que j'aimerais retrouver. Après, je dis pas que les autres c'est nul, hein, parce que moi, je fais pas du tout comme lui. Disons que ce qu'il fait lui, c'est vraiment des vidéos en tout genre. Il fait des podcasts, tout ce genre de choses. Je sais pas si on peut appeler ça des podcasts. Enfin, en tout cas, dans toutes ses vidéos, il se montre. Et j'aime bien l'idée, quoi. J'aime bien l'idée. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne. Vous verrez que c'est plutôt marrant. J'aime bien. Je rigole toujours dans ce qu'il fait dans ses vidéos. Je veux la petite bulle d'air. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'après? Je dirais que c'est lui. Ah, mais pas du tout. Est-ce qu'il sait refermer le coffre là-bas? Oui, à chaque fois il se referme. Pour le mal défi. Dans les coffres, vous trouverez souvent des. D'ailleurs, petite remarque, je trouve que les coffres ressemblent vachement au coffre de Ocarina of Time. Alors, je sais pas s'ils ont utilisé les coffres de Ocarina of Time. Non, je sais pas s'ils ont utilisé les coffres de Mario 64 pour faire les coffres de Ocarina of Time. Mais bon,
Montez le plus haut possible. Moi je vais rester là. Voilà. Alors, je sais pas comment ils font. Oh oui, je l'ai eu. C'est quoi cette technique de malade? Meilleur score. J'en sais rien, en tout cas ce que je sais c'est que je suis mort au moins une fois. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires aussi. Quel est votre Mario préféré? Ça pourrait être intéressant de savoir ça. Moi pour le coup je dirais mon Mario préféré c'est peut-être pas Mario 64. Ce serait peut-être Mario Sunshine, ouais. Parce que Mario 64 j'y ai pas mal joué quand j'étais petit, mais plus à Mario Sunshine et Mario Sunshine. Je le connais par cœur, j'ai pas mal compris comment il fonctionnait ce jeu, si vous voyez ce que je veux dire par fonctionner, hein. C'est comment les boss ils arrivaient, comment ce genre de choses, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Tu viens là? Tu viens là? Il y a une étoile ici, je pense que vous ferez une ellipse jusqu'à ce que j'y arrive parce qu'elle est assez dure à voir. Normalement, faut un truc en particulier. Mais j'arrive pas à la voir avec le truc et j'arrive à la voir sans. Sans le truc. Mais genre, c'est un peu bizarre. Il y a une petite pièce. Voilà. J'ai essayé de faire les 100 pièces également là. Aïe, enfoiré. Voilà. Hop. Je crois qu'en plus il y a pile 100 pièces dans ce niveau donc. Hop. Hop. Voilà, je me concentre sur les pièces. Doudila, douli. Hop. Est-ce que j'ai loupé des pièces par hasard ici? Eh ouais. Oh là là, je pense que ça s'entendra que je suis fatigué. Oui, il y a des pièces ici. Undos. Est-ce que je l'ai vu? Non. Ah là oui, il y a une pièce rouge. Cette chanson, j'aime pas trop ce niveau. Pour le coup. Ce niveau, c'est un des niveaux qui m'a jamais. Je le fais, il me dérange pas, hein. C'est un joli niveau, mais c'est peut-être celui que j'aime le moins dans ce jeu. Après, il y a des niveaux très rageants aussi, mais qui sont méga stylés. Vous verrez duquel je parle plus tard. Alors, on va aller chercher les pièces là-haut que j'ai oublié de prendre. Voilà. On va mettre ça pour éviter les chutes. Pour ceux qui ont compris la blague. You. Putain, je me suis loupé. Mario, il a fait un truc. Non, je cours plus. D'ailleurs, j'espère que sur Facebook ça vous a plu aussi. J'ai fait une petite vidéo sur Mario 64 HD. Donc pour ceux que ça intéresse, j'essaierai aussi de mettre le lien dans la description. Tout ça, c'est comme d'habitude. Il faut que j'y pense. On va descendre. Hop. Il serait temps d'ouvrir la coquille. Tu ouvres la coquille? Cher bien. Oh, une étoile bleue. Bleue. Une étoile jaune, j'ai envie de dire. Une étoile bleue, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est une étoile qu'on a à chaque fois que. Par exemple, s'il y a une étoile que j'ai déjà eue et que je la refais, et ben elle sera bleue. Tout simplement. Hop. Alors, on va aller dans ce petit tunnel. Moi pour le coup, le tunnel, c'est en disant le tunnel que ça m'y a fait penser. Dans le Seigneur des Anneaux, j'adore, pour ceux qui ne le savaient pas, Gollum. Gollum, c'est peut-être
pour moi le personnage à aimer. Oui. C'est vrai, il y en avait un qui avait fait une vidéo sur un manche sur 4HD, je sais plus c'est qui. Et il disait que celui qui n'avait pas joué à Mario, ben déjà soit est menté ou soit c'est vrai. Mais alors si c'est vrai, eh ben c'est qu'il est nul. Parce qu'il disait que justement c'était un jeu que ben, tout le monde a au moins essayé de jouer à un Mario. Et je vois qu'il manque 4 pièces. Je crois qu'il y a... Dans ce niveau de souvenir, il y a juste pile poil le nombre de pièces. Hop, voilà. Ah là là, est-ce que je vous fais un petit... Ouais, allez, un petit accéléré le temps que j'arrive tout là-haut. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est ici qu'il y avait des pièces et puis non, il y en a un petit peu plus, mais il y en a... Il n'y en a pas énormément quoi. Oh non! C'est au-dessus de l'eau. Alors. Vais-je arriver à le prendre? Oui, je l'ai eu. Salto dans l'eau. Voilà, petite sauvegarde. On va aller chercher notre fameuse étoile de pièces rouges. Voilà. Ah putain. Je suis vraiment crevé. Pour vous dire, là pendant que je montais, en fait, je n'ai profité pour bailler pour vous dire. Tellement que je suis fatigué. Oh non. Oh non. Quoi? Mais what? Non mais. Ah. Je réfléchis. Pour vous dire, je vais être franc, je vois pas pourquoi je mentirais sur ça, mais c'est pas grave. Genre, je savais qu'il y avait de nombreux bugs que j'avais réussi à faire sur Mario 64, mais des bugs comme celui-ci, je vous avoue que le mur invisible de l'épisode 3, je crois, où il y avait le mur invisible dans le monde de neige, pour ceux qui s'en rappellent. Ça m'était déjà arrivé une fois ou deux. Mais ce bug-là, je vous avoue, c'est la première fois que ça m'arrive. L'anguille veut faire joujou. Ah oui, ça m'a toujours marqué, ce petit... Cette étoile-là, c'était quand j'étais petit, que je savais pas trop lire. Eh ben... il y avait ce titre que j'avais lu, c'était Anguille veut faire joujou, et j'avais bien aimé le titre de ce niveau. Voilà, 4 étoiles déjà, je vais essayer de prendre encore toutes les étoiles de ce niveau, tant qu'à faire. Ah, il y a ma manette qui s'est... enrobé, voilà. Ce sera plus simple comme ça. Ah, il fait chaud, mais même avec la fenêtre ouverte ou quoi. Là, je les ai fermés pour la vidéo, pour pas que ça fasse trop de bruit bizarre. Pour pas qu'il y ait de courant d'air sur le micro. Et, wow. Même là, je les ai fermés, mais je vous assure que j'ai très chaud, et boum, voilà. Alors, le truc de Anguille veut faire joujou, il suffit de vous approcher là. C'est une étoile qui est assez chiante à prendre, donc je vais essayer une fois avec vous. Et si je n'y arrive pas, je vous fais une ellipse. Quand j'étais petit, je me rappelle avoir eu peur de ce passage. En fait, le but, c'est... vous allez voir. Là, voilà, c'est bientôt la fin. Il y a une étoile. Faut aller là. Bon, je suis mort. Le but, c'est d'aller choper l'étoile derrière elle. Et comme ça, elle libère notre étoile. En fait, c'est comme si on faisait une sorte de trap-trap, sauf qu'il faut attraper le son derrière. J'allais dire autre chose, mais...
Voilà, pour attraper l'étoile qui est accrochée à sa queue. Et il y a mon chien qui fait ses petits bruits malheureux, vous savez, comme ça là, c'est un peu bizarre. Enfin, je l'entends, mais vous m'entendrez pas. Il est trop loin pour vous. Voilà, alors, le but est d'attraper son étoile. Donc, je vous fais une petite ellipse jusqu'à ce que j'y arrive ou en accélérer si c'est moins long. Tout dépendra de sa volonté. Aïch, tout ce que je craignais est arrivé. Oui, je l'ai eu. Ça va au deuxième essai. Voilà. Vous aurez vu le premier petit fail. Salaud. Ah là là. Voilà. Oui, j'ai 30 étoiles. Oh, un chiffre rond. Donc. On y retourne et on va faire ces deux dernières étoiles qui restent. Alors, c'est quoi? Trésor dans la caverne. Ok, on va faire celle-là et l'autre. Ah oui, l'autre, c'est la hyper dure qui est chiante à prendre. Ok, je vais vous faire une ellipse. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va y retourner. De toute façon, on la voit à chaque fois. Donc, comme vous voyez, là bientôt, sous l'eau, il y a une étoile sous un tourbillon. En fait, il faut un élément, enfin je vais le répéter, il faut un élément exprès pour la choper, genre elle est très chiante à avoir, que ce soit avec l'élément ou sans, et bizarrement j'y arrive mieux sans qu'avec. Et là c'est pas sur celle-là qu'on va faire, c'est sur ça. Vous vous rappelez tout à l'heure, on est venu ici, il y avait des coffres. Aïe, salaud. Chaque fois je me rends compte, mais... Hop. On va prendre les quelques pièces qu'il me faut pour résister. Hop. Toi. Ouais. Non. Je pensais faire un 100 fois, donc je sais pas c'est quoi le... J'irai toi. Et toi. Ouais, une étoile. Effectivement. Oh là là. Il y a tellement de Mario que j'aimerais vous faire, mais le seul bon que je peux vous faire en ce moment sur les mules, c'est celui-là. Ok. Voilà. Donc c'est parti. Hop. Oui, dégage. Alors, on y va. Alors, en ce moment, ce qui passe souvent, que ce soit à la radio ou, ou sur YouTube, on entend souvent parler de d'une chanteuse là, c'est Louane. Alors, on entend souvent parler, j'aime bien ce que je chante. Et vous dire quoi, Mandati mettait un pur déchet? Non. Alors, le but c'est soit vous foncez vers l'étoile jusqu'à ce que vous la chopiez. Et je vous avoue que c'est assez dur de l'avoir comme ça. Il y en a qui vont me dire c'est impossible, je vous assure que si. Alors, je vais juste aller récupérer des pièces. Hop. Et je vais essayer encore une petite tentative avec vous. Sinon, je vous fais une ellipse encore une fois. Jusqu'à ce que j'y arrive. Re! Je l'ai eu. Ça fait au moins 5 minutes que je gamberge. À essayer de l'avoir. Mais je l'ai eu. Comme ça, vous avez la preuve que c'est possible.
Voilà. Donc, on a fini. Alors, 1. Bataille de bombes, on a tout fait. 2. Forteresse de... Womp, womp, pardon, j'avais mal lu. On a tout fait. Et dans baie des pirates, on a tout fait. Et dans montagne glagla, on a tout fait. Enfin. Enfin, on a fini toute cette zone. Il nous restera plus qu'un truc à faire ici. Et ensuite, on pourra se barrer. Donc, on va sortir, hein, à l'extérieur, comme on fait à chaque fois en fin d'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis ciao. Et à la prochaine. Ouais, bon. Bon, pas trop de bugs, pas trop de fun pour aujourd'hui, mais il y a eu un très gros bug et ça compensera tout. Donc, pour de vrai, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.